ce retour, il n'en veut plus. Alexander Vassiliev. Avec grimace. Et ça sent la fin pour le russe. Il se relève quand même. Elle approche le métier, hein, tout jeune. Alors ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Il va, attention. Il va en finir, le français. Ça peut être dangereux tout de même. Quand il se jette, Winterstein. Ouais, l'hypercute est passé. Crochet de gauche ensuite. La droite, un petit peu trop loin encore pour cette droite. Oh, crochet gauche. C'est un travail dans tous les sens, Winterstein. Ah, ça reste encore un petit peu brouillon. C'est normal, tout jeune. Et il a des qualités. La droite, une petite plongeante. Ah, il est touché, Vassiliev. Courageux en tous les cas. Ouais, il va. Ça va faire un round. Ouais, il va faire les limites dans cette première reprise. Vassiliev a déjà beaucoup voyagé. Il a boxé en Angleterre, en Estonie, en Italie, en Ukraine, en Biélorussie. Ouais. Et son dernier combat, c'était en Argentine, et une défaite au point contre Fabio Moli en 10 rounds. Voilà, Gaëtan Mikhaïlov aux côtés de Flynn Winterstein. Il envoie cet hypercute du gauche au corps. C'est bien, il travaille bien encore, Winterstein. C'est pas mal ce qu'il fait. Son idole, Flynn Winterstein, c'est tout simplement Oscar De La Hoya, le champion du monde dans la catégorie des poids super welter. Ça aide beaucoup. Hein. Et ça nous donne l'occasion de reparler d'Anthony Almer, puisqu'Anthony Almer travaille désormais pour sa préparation physique avec un certain monsieur Paris. Exactement. Qui avait préparé Oscar De La Hoya. Tout à fait. Et Julien. Eh oui. Qui a préparé Julien aussi. Merci. Julien aussi, bien sûr. Et c'est bien, il y a de quoi faire avec Anthony Almer pour la préparation physique. Une petite droite, Winterstein. Oula, il va se contrer. Attention, c'est bien, c'est bloqué. On prend des risques tout de même. Flynn Winterstein, c'est bien, il esquive, c'est pas mal du tout. Il a pris des coups de massue derrière la tête. Quand il frappe, hein, ça déménage, Flynn Winterstein, puisque Vassiliev se retrouve à terre une troisième fois compté par l'arbitre. Il n'en veut plus, il n'en veut plus, non. Je crois. Si, il va reprendre. Non, c'est fini, c'est voilà. Fini. Eh bien, deuxième.